Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. On se retrouve sur une nouvelle île sur Animal Crossing et vous voyez le drapeau avec la couronne et ce qu'on voit à peu près de derrière, c'est que ça ressemble à un château. Regardez-moi ça, je suis accueilli par deux gardes en armure. Waouh! Alors attention, hein, je me suis mis en super costume. J'espère qu'ils vont pas trop me trucider. Je peux pas passer à droite. Je peux monter. Par contre, ici. Ok. Waouh. C'est super bien fait, hein. Les remparts et tout. Et il y a l'eau qui m'empêche de faire la suite. D'accord. C'est très bien. Parce que j'ai la même chose là. Oui, voilà, j'avais la même chose ici. Avec les chaussures, la hache qui va bien, une épée. Là, je peux faire le tour. Il a fait tout le tour comme ça. Pas mal joué. Ouais, il aurait peut-être pu mettre d'autres bidons comme ça. Ou les trucs pirates, là, pour faire... ça aurait fait dynamite, un petit peu. C'est pas mal du tout, en tout cas, pour ce premier passage. Ce premier level de cette île. Franchement, top. Bravo. Nous, du coup, on va continuer un peu par là. Alors, je peux aller dans quel sens? Je peux aller par là, d'accord. Il y a une première maison ici. D'accord, donc c'est carrément... ouais. Ok. On mange. Alors, c'est comme s'il avait fait une boulangerie. Ici. La maison de l'habitant, c'est une boulangerie. Est-ce que à l'intérieur, il a fait pareil ou pas? C'est une bonne question. Ah, Georges est parti et chercher à manger. Ouais, il est là, Georges. C'est pas lui, Georges? On va voir les habitants. Alors, c'est Alvin qui nous accueille sur son île qui s'appelle Oulésia, pardon. Oulésia. Ah. Je pense qu'il aurait pu l'appeler autrement, mais bon, pourquoi pas. Il est accompagné de Poulette, Nana, Matteo, Didi. Georges, donc, que nous voyons et qui est donc la personne que je cherchais. Miro, Kiki, Chef, Dolph et Ketchup. Il y en a à l'intérieur et il y en a à l'extérieur. Est-ce qu'il est rentré chez lui? Toujours pas. Il est parti chercher à manger, mais il traîne, hein. Il traînaille par là, là. Je le vois, il est à côté de moi. Je vais le pousser un petit peu. Hop. Voilà. Vous voyez qu'il est là. Ah, je peux même ressortir un petit peu. Il y a un petit coin ici. C'est très bien foutu, n'empêche, hein. Ah, ici, c'est le petit coin pour tout ce qui est bouteilles, les petits trucs au sort. Il y a le puits aussi qui est là en plein milieu. Très bien vu le puits. Ah, on passe sur un côté un peu plus sérieux avec les deux gardes ici. Il y a des tenues. Il y a pas un autre garde là? Ah si, il y a deux gardes là. Il y en a deux autres ici, d'accord. Qu'est-ce que c'est beau, n'empêche, hein. Est-ce que je peux... Non, ça c'était en hauteur, ça. Ok. Il a fallu un travail très minutieux pour faire cette île, hein. Ah, ça peut-être la prison au bout là-bas, je ne sais pas. Alors c'est une des idées que j'avais eues pendant un moment pour faire ma nouvelle île, faire un côté château. Vous voyez, je viens de là avec Serena, la mairie est ici. Il aurait peut-être pu choisir une autre musique, par contre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une petite... Ah ouais, bien, bien vu. Alors, dommage, il a pas fait la plage. D'accord. Il a pas fait la plage. Tant pis pour nous. Deux gardes ici. Ok.
C'est pas mal du tout. Hein. Du bon boulot. Regardez le travail fait sur les motifs qui font un peu maison. Ah, c'est la boutique Nook qui est ici. Ok. Faut pas que j'oublie trop de choses. Là, on va sortir, j'ai l'impression, après. Je suis juste là. On n'est pas encore complètement sorti. Je vais quand même revenir un peu en arrière parce que j'ai pas fait le côté à droite. Ah, les sœurs doivent être faites. Ah, il y a de l'eau. D'accord. Ok. Je voulais voir par là s'il y avait des choses. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a beaucoup d'eau. Je suis complètement bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Mon personnage ne bouge plus. Non, il bougeait plus. Ça y est, j'ai retrouvé mes moyens. C'est bon. Ouais, c'est vraiment très bien foutu. Passage de 2, hein, on ne l'a pas précisé. Très bien choisi le pont. Ah ouais, c'est quoi les pêcheurs par ici? Alors, j'aurais peut-être pas mis ces horreurs au sol, moi, mais bon. Ah, c'est pas mal, on peut revenir encore en arrière. Oh! Ça fait moitié église. C'est carrément ça, bien joué. C'est vraiment top. Hein. C'est bien foutu. Il y avait un autre passage par là, peut-être. Pour ressortir, oui. Très bien. On fera ça après. Ah, les grilles de prison sont bien foutues. Hein. Il y a des gardes partout. Ah, le petit coin peut-être potager. Non? Non. Oh. Ah, bah c'est chez lui. Bah on va y aller tout de suite. Alors je sais plus comment il s'appelle. C'est Alvin, non? C'est ça, Alvin. Eh ben, allons faire la maison d'Alvin. Ah, il a... Alors, je suis désolé de dire ça, hein, mais je trouve que son extérieur de maison n'était pas top, par contre. Je pense qu'il peut améliorer ça. Par contre, l'intérieur... Bah, voilà, quoi. C'est très, très bien. Il peut peut-être rajouter 2-3 choses au mur, hein. Mais l'ensemble est quand même très très bien. C'est vraiment top. Bravo, Alvin. La chambre d'Alvin avec la couronne. Ah ouais. L'armure aussi. L'épée de Lancelot. C'est très très bien. Bravo. Nous voici pour cette troisième pièce dans la cuisine. Très très bien, bravo. J'adore. Alors dommage qu'il n'y ait pas un petit banc ou quelque chose pour s'asseoir. Du coup, tu aurais pu enlever ça, sans doute. Pour faire un petit banc et puis laisser une petite place pour manger. Alors, je pense que l'herbe... Voilà, t'aurais pu l'enlever, ça. C'était pas très utile. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Hein. Je dis ça, c'est toujours pareil. Hein. Je constate, dès que je vois quelque chose qui aurait pu être autrement, je vous le dis, hein, vous le savez bien. Mais sinon, tout le reste, c'est top. J'adore. Nous voici dans la quatrième pièce. Et c'est la pièce du roi.
Alors, dommage qu'on n'ait pas la couronne à côté. Voilà. Le roi reçoit ses sujets ici. Très très belle pièce. J'adore. Je pense qu'il aurait peut-être même pu rajouter un ou deux soldats de ce côté-là, par exemple. Oh! C'est la restauration ici. Eh bien, écoutez, le roi, la reine et le petit prince mangent ici. Et tous les sujets du château mangent là. C'est très très bien. En plus, est-ce qu'il faut une petite harpe pour... En plus, je crois qu'il a mis... Il a mis du son au niveau... Il a mis des voix. Un brouhaha de voix. En tout cas, très 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 belle pièce. Alors, du coup, excusez-moi, mais je vais encore dire un petit truc, c'est que du coup, cette table-là ne sert pas à grand-chose. Donc, du coup, il aurait pu l'enlever parce que elle gêne en fait sur la globalité du truc, elle gêne. Voilà. Sinon, c'était très très bien. Que nous réserve la pièce du bas? Eh ben, on va y aller tout de suite. Il parle à qui le garde là? Oh, il se parle? C'est quoi ce délire? Alors qu'est-ce qu'il garde ici? C'est un cachot peut-être. Peut-être des gens dans la prison. Peut-être plusieurs cellules en fait qui sont, bah, qui sont pas faites, mais ça ressemble à ça. Marrant d'avoir la petite bulle au-dessus des gardes. Je trouve ça excellent. Allez, on va sortir de là. Voilà, nous avons fini la visite de la maison d'Adeline et franchement, c'était très très bien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au tout début. Je trouve que peut-être qu'il y a un effort à faire au niveau de sa maison. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense que oui, au niveau des briques, etc. Je pense qu'il y a des petits trucs qu'on peut améliorer. Ou à ce moment-là, il se met des petits murs juste devant pour cacher un peu le fait que ça soit une maison comme ça. Je pense qu'il y a un petit travail à faire sur la maison. Extérieur, en tout cas. Mais tout le reste, c'était top. C'est vraiment top, bravo. Bravo, bravo. Du très très bon travail fait ici. Alors attendez, je crois qu'on avait vu qu'on pouvait passer par là pour aller à l'extérieur. Regardez ça. Le petit chemin. Alors du coup, on va repartir par là parce que j'ai vu qu'il y avait des maisons d'habitants. Il y a d'ailleurs Alvin le roi, regardez. Merci à toi, Alvin. Tu as fait un excellent travail. On peut déjà le dire. Moi, j'avoue que je suis bluffé. Petite première petite maison ici avec des tomates, du blé et des carottes, je crois. Ou des citrouilles plutôt. Citrouilles. La deuxième petite maison, un peu dans le même style. Avec là aussi des carottes et des patates. Ok. Voilà le coin un peu forêt ici. Très très bien. Il y a de grandes grandes idées ici, hein. Ah, on s'en va vers une maison d'habitants ici. On a notre petit chemin de qui continue par là. Là encore, on peut s'asseoir pour écouter l'eau. La chute d'eau. Et notre petit chemin continue. Vous voyez qu'il n'a pas fait du tout sa plage, mais bon, on comprend un peu pourquoi. Alors, c'est très bizarre parce que moi, j'aime pas du tout mettre les arbres, ces deux arbres l'un à côté de l'autre. Et ici, je dois dire que ça se fond bien dans le décor. C'est très bien. Bravo à toi. T'as réussi quelque chose que j'aime pas trop, moi.
Alors le petit bémol, c'est quand vous êtes au tout début du jeu pour attraper les insectes sur une île comme ça, notamment ceux qui sont au mur, et je me suis coincé. Voilà. Ça aurait été dommage. Ça aurait été difficile. Hein. Alors là, je redescends, d'accord. C'est très bizarre. Ah oui, non, j'étais encore en haut. J'avais pas pris le bon chemin. Alors, qu'est-ce que... J'ai l'impression qu'il n'y a rien par là. Non. C'est la fin des fortifications. Ça, c'est un coin pour retourner au château. On le fera en dernier. Le champ de blé, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il nous reste deux maisons à faire. Une ici. Et puis, je crois qu'il y en a une un peu plus loin. Voilà. Et vous allez voir sur le plan que je vais vous remettre. Voilà, on est tout au bout là-bas. Excusez-moi, on est... Voilà, on est à côté de la maison de Matteo. Vous voyez qu'on est carrément au bout. Très très bien. Il n'y a pas grand-chose, hein, Matteo. Et puis, je ne sais pas qui c'est le deuxième. Ah, c'était Matteo, là. C'est bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit cette maison-là, d'habitude. Peu importe. On va retourner, nous. Vous voyez qu'il y avait donc deux sorties. Il y a encore un garde ici. Est-ce qu'on peut aller par là? Oui, ça continue. Comme il a fait de l'autre côté. Avec les gardes. Ça, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Donc je suppose que ce par là on fait pareil, voilà. Ok. Alors il y a sans doute une. Voilà. On repasse par le coin pêche ici. Ok. Et ben voilà les amis, on a fait tout le tour de l'île. De cette île plutôt château. Et on peut le dire, c'était vraiment, vraiment très réussi. Notamment, vous voyez, ces petits murs faits que pour vous dire que c'est une maison. Je trouve ça excellent, très bien foutu. Bravo à toi, Alvin. C'était très agréable comme maison. Comme île, pardon. Et comme maison, encore mieux. Je pense que tu as vraiment réussi ton île. Bravo à toi. Nous, on se retrouve prochainement pour d'autres aventures, sur d'autres jeux. Hein, en ce moment, on est sûr. Spider-Man Morales, Miles Morales, pardon, et Resident Evil 4. Il y aura un nouveau The Quarry très bientôt. Il y aura d'autres jeux et surtout beaucoup de catch à venir. Allez, à bientôt!